podcast livre Les Chroniques de Midgard, le tome 1 Yggdrasil et l'Arbre au Monde de Sébastien Julien. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Yggdrasil et l'Arbre au Monde. Il a été publié en France en 2020 aux éditions Books on Demand. Il fait 242 pages, je lui ai mis la note de 6 sur 10 et le conseille aux lecteurs aimant la fantasy et la mythologie nordique. Quatrième de couverture. Frey est une guerrière qui traverse le nord de la France du Moyen-Âge pour accomplir sa mission. Elle est envoyée par les frères de l'abbaye de Gouvin qui lui demandent de se rendre au tronc Béranger. Bjorn, un autre guerrier de grande taille, et son jeune apprenti devront se rendre jusqu'en Écosse pour lui venir en aide, ainsi que Freya, une déesse de la mythologie nordique dotée de pouvoirs magiques. Il y a bien sûr un méchant en la personne de Myrdi, un magicien d'origine bretonne qui risque de répandre le chaos dans le monde. De leurs actions dépendra la survie du monde, tout cela sur fond d'amitié, d'amour et d'aventure extraordinaire. Ce que j'ai pensé de ce roman. Tout d'abord, je remercie l'auteur de m'avoir fait découvrir son premier tome grâce au site Simplement. J'ai bien aimé cette lecture, mais il y a des petits bémols. Le résumé étant long, je n'en parlerai pas plus. Les personnages sont bien travaillés. Freya est une déesse nordique qui est une femme forte. Elle ne se laisse pas faire, mais elle sait montrer ses fragilités. Elle est liée à un très puissant magicien. Bjorn est un homme bourru, voire un peu ours, et non, ce n'est pas un mauvais jeu de mots. Il est très attachant. Il aime profondément Freya et Malfred. Malfred est un jeune homme qui était le fils d'un fermier. Il est particulier. Odin, père de toutes choses, est le Zeus du panthéon des divinités nordiques. On le voit assez peu. L'intrigue est correcte. J'ai eu un peu de mal au premier abord à la comprendre. On parle de l'arbre au monde qui, pour moi, n'est pas assez présent. L'écriture est efficace. Les chapitres se lisent. La fin est bien et donne envie de connaître la suite. D'ailleurs, le tome 2 est en cours d'écriture. En bref, une bonne lecture et je remercie encore une fois Sébastien Julien de me l'avoir fait découvrir. Extrait du livre. L'arbre au monde inonde de sa magie tous les royaumes et tous les royaumes tirent leur force de ses racines. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture, l'univers, la mythologie nordique et la fin. Les points faibles de ce roman, l'intrigue. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao !